Ça sent le boss final, pas vous? Mais bon, en tout cas, si carrément c'est ça, bah en fait là carrément, on est carrément à la fin du jeu. Si c'est pas ça, bah littéralement, je vois pas trop où on va aller. Mais en tout cas, il faut pas bâcler le jeu en LP avant d'avoir fini. Ouais, c'est marrant. Allez, on y va avec notre petit Megaball Vendant. Cela est aussi une craft, Lego Secret. On se retrouve pour un épisode donc sur Megaball Legends. Et du coup, c'est parti avec donc un petit singe. Oui, un petit singe qui est un peu, j'avoue, entre rechargement et sauvegarde, si je peux dire. Du coup, qu'est-ce que ça va être? Allez, fais-moi blaguer. Est-ce que c'est le combat final? Hmm. It appears I miscalculated the odds of your ability to escape that trap. You are, however, too late. Eden was activated as soon as I entered this room. It cannot be deactivated as long as I, the master key of this island, remain here in this control room. All that remains now is to wait for Eden to enter transmission range and send the command to execute the reinitialization of this island. Once that command is received, the 10,000 workers aboard Eden will execute it immediately. My estimates indicate their work will be completed in less than 5 minutes. Now that Eden has been activated, any further interference from you will remain on file, thus tarnishing my operating record. Fortunately, you are suffering from memory loss and fragmentation. Therefore, as keeper of this island, I hereby exercise my prerogative of correctional dispensation. Prerogative of correctional? What? Allow me to rephrase. I will exercise my authority to terminate your program. Ok, très bien. Et c'est quoi alors le but? Ready? J'avais carrément oublié que c'était ça. Ok, boss final. Très bien. Oh. Non, s'il te plaît. Laisse. Mais laisse-moi comprendre comment tu marches. Aïe. Aïe. Ok, là j'ai carrément rien compris du tout. Rien du tout. Alors, ok, je vois. Donc c'est ça, gnagnagna. Non mais tu te fous de ma gueule quoi? Mais il est en train de se foutre de ma gueule, non? Mais non, ne t'inquiète pas. Laisse-moi comprendre ton pattern avant qu'un mot me brûle la gueule. Ou même me latter les couilles s'il le faut. Je devrais te latter les couilles! Ok, maintenant comment tu marches alors? Tu tires des lasers, ok. Tu m'envoies comme ça, d'accord. Ok, quand il fait ça, faudra carrément sauter, d'accord. Oula. J'aime du tout pas ça du tout. Ok, elle tire du laser. Mm-hmm. Hop là. Est-ce que tu peux me laisser comprendre comment tu marches? Mm-hmm. Ok, quand elle dit ready, c'est quand elle tire du laser. Quand elle fait ça, c'est quand elle va t'arriver sur toi. Ready. Bon là j'avoue que je suis un peu bloqué parce que là elle te tire n'importe où. Non. Ready. Mm-hmm. Aïe.
Bon, ok, c'est... Mais par contre, comment tu cherches pour le toucher si carrément... Elle t'envoie... La ramasse, putain. Non, mais par contre, le coup du laser là, ça va carrément être horrible, hein, carrément. Et je dois... Ah, elle te fait un gros boucle sans te prévenir et... Oh, madre de Dios, je sens que j'ai encore ragé. Fuck you, motherfucker. Mais bon, j'ai essayé au moins de toucher. Essayé au moins, ça c'est une chose, mais par contre... Je sens vraiment que je suis gros. Alors, j'en ai un peu, je vais un peu me réveiller. Mais je sens vraiment que je vais utiliser par contre ma grosse arme de bebe, hein. Parce que là, je vois pas d'autre solution comment tu veux faire pour essayer de la toucher carrément. Mais si elle t'envoie carrément toute la ramada du truc, hein. Là, faudra vraiment mais beaucoup bouger sur l'esquive, hein. Bon, allez, hop, on y retourne. Du coup, bon. Ensuite, on entre. Par contre, j'appuie sur. Sur plus pour skipper, vu qu'on l'a déjà vu. Ok, elle fonce vers moi. Fais ça. Oui. Mais ok, quand il fait directement, c'est faut carrément mais sauter. Tirer dessus. T'as pas dit le sauve, c'est quand elle. C'est quand ok. Ready. Ok, c'est quand elle fait les lasers. Top. Ready. Mais t'as, vraiment, mais t'as pas le temps. T'as pas le temps, mais en plus il le défonce, mais. Oh putain, je sens vraiment que j'ai jamais essayé de la battre. Bon, fantasmement, elle a la barre de cours là, mais. Attends. Aussi un truc. Est-ce que c'est pas un truc de JRPG ou c'est. Tu as la première phase, et ensuite tu auras la seconde, et ensuite tu auras la troisième. Non, mais bon, si je dois me faire tout ça, mais avec le barre de vie que j'ai, quoi, mais c'est. Tu es prêt carrément à vendre ton arme ou ton âme ou même à te suicider s'il le faut pour réussir. Parce que là, je vois vraiment pas de solution. Hein. Qui veut du caca sur son vomi? Oh, madre de Dios. Oh mon dieu, que ça va être chiant et long. Bon, allez, chante-toi une dernière fois, sinon carrément je change d'arme. Parce que là, je vois vraiment aucun moyen ici de la battre. Peut-être tu peux faire ça à la limite pour lui faire déjà perdre des points au début. Enfin, des points de vie. Mais après, ça devient n'importe quoi. Bon, ça, de manière générale, ça, c'est son souci. Faut juste faire un peu de maîtrise. Par contre, là, il y a comme des moments quoi où t'es obligé de faire un peu des sauts de caribou. Des sauts de caribou. Bon, par contre, quand il te fonce dessus là, c'est mieux vaut courir par contre là que plutôt essayer autre chose. Ça. Hop, tu te mets derrière. Tu cours encore, mais par contre là. C'est mieux quand il fait par contre ce. C'est mieux quand il fait par contre ce ready qu'autre chose. Hein. Parce qu'il y a que ça comme moyen. Pour essayer de le toucher. Esquive. Ready. Voilà, hop. Tranquillement. Voilà, tourne en tort. On fait carrément la technique du tourbillon. Sauf qu'après, il y a un moment, il faudra sauter. Aouh. Non, j'ai hors de ça car il y a vraiment des moments où quand tu as pas d'enchant là, elle peut t'envoyer n'importe comment. Ça suffit. Et j'ai même pas été touché là, arbitre. Aussi, un coup là. Voilà, maintenant tu te calmes un peu. Bon, je l'ai au moins touché, ça c'est une bonne chose. Ok. Non, ça marche pas. Ah oui, j'ai hâte de ça car vraiment le laser il t'arrive dessus en pleine gueule. Mais par contre, si tu vois pas l'ennemi là, tu sais même pas par contre s'il va faire genre là, le bras gauche ou le bras droite. Bon, ok, très bien, c'est décidé. Je vais carrément essayer de changer d'arme carrément. Je vais prendre plutôt l'autre à tête chercheuse car au moins elle touche. Et carrément, j'ai peur, il est passé des mille ans dessus. Hein. Non, mais quand t'as un ennemi par contre qui te pose avec tout le moyen, alors que toi t'es tout petit, t'es rikiki, mais là littéralement là c'est. Non, fallait vraiment que tu conserves plutôt l'arme celle qui t'a servi le plus de tirs durant l'aventure. Bon, je suis de retour là par contre là, je suis maintenant. Tu vas vraiment arrêter de me péter les couilles. Ready. Ok, ça. C'est clair que je pourrais plus faire ça. Donc ça marche pas du tout. Ok, tu peux tirer comme ça, mais celui-là ça peut toucher qu'une fois sur trois. Saut. Non, bon, t'es vraiment obligé de faire des sauts de caribou. Esquive.
Ready? Esquive. Doucement. Ready? Saut de caribou. Elle fonce vers toi. Ready. Ok, quand je fais par entre un ready, c'est là par là où je peux carrément mais latiner. Ready. J'ai hors de ça. Esquive. Esquive, esquive. Si elle me touche encore, je serai mort. Là, je pars carrément pas, je suis concentré de fou. Saute! Non, ok, j'ai carrément trop fait le fufo. Mais bon, au moins, je sais maintenant comment la battre. Mais par contre, le truc qui est chaud, c'est que le seul attaque où carrément tu peux essayer de lui en mettre des tas de coups, c'est quand elle fait par exemple le ready. Mais tu te offres un space là, c'est carrément. T'as une chance de deux par nappe pour qu'elle t'envoie sur les armes dans ta gueule. Ou qu'elle fasse carrément un putain de pivot pour te ratatiner la gueule. Et par exemple, le truc là où il te saute dessus par contre là, t'es carrément obligé de faire un putain de saut de caribou. Vu que par contre là, son truc est ultra large. Hein. Non, mais carrément, il n'y a pas de solution. C'est comme ça comme technique. Je sais pas par là c'est carrément je vais réussir, mais au moins que je dis qu'après ça on fait ce gars et on s'arrête là parce que carrément mais c'est un boss là mais qui va apparemment te foutre la rage mais monstrueux hein. Et je dis pas de conneries hein. Non, mais je suis sûr que là ça doit être le boss final parce que là je vraiment pas d'autre solution. Allez on retourne deuxième match. 1 hour later. Oh là il se passe quoi là? Ah. Et oh putain, elle te fait le coup des bras. Oh mon dieu. En gros, quoi, il a moitié de sa vie. Elle te fait ce coup là, mais. Mais c'est trop horrible là, mais. Ah. Oh non, mais carrément, je sens que je vais avoir un rush de presque 2 heures s'il le faut. Là, je vois vraiment clairement pas d'autre solution. Aïe 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 aïe. Non, mais par contre, le pire par contre, c'est que elle te retire presque juste la barre, toute la barre de vie en juste 2 coups. Non mais 2 heures le coup et voilà, finito hein. Finito. Alors que toi carrément tu fais très peu de dégâts. Non mais pardon, vraiment, c'est que la seule arme au coup qui peut la battre. Mais bon, arriver jusqu'à la moitié c'est comme déjà un effort. Mais par contre là, j'imagine même pas comment tu fais pour essayer de la battre entièrement. Parce que là, y'a aucune solution. Putain mais quand elle fait ça en fait là, c'est... Elle te fait pardon les trucs là pour te mettre la pression. Mais au moment où elle apparaît, il faut vite sauter directement. Oh la vache. Bon, par contre, c'est la deuxième fois que j'ai réussi à traverser ça, mais. Ben là, littéralement, je sens vraiment qu'au niveau munitions ou quoi, mais je vais vider sur elle. Bon, après, j'avoue, pendant l'arme secondaire, quoi, elle peut te mettre un peu des petits coups là pendant qu'elle fait ça, mais vraiment, en fait, tout ce que tu dois faire correctement, c'est tourner autour, quoi, mais pas trop non plus, mais il faut qu'elle soit dans ton champ. Mais vraiment, dès qu'elle fait le ready, c'est là où tu pourras, par contre, carrément envoyer un tout petit peu la sauce, entre seulement 2 ou 3 coups. Mais sinon, carrément, de majorale, c'est vraiment la seule issue possible, hein. Et je parie vraiment que le deuxième acte, même le troisième si on a un par là, va être encore plus chaud que littéralement mon cerveau va devenir du popcorn. Allez, c'est pas le moment de mourir, c'est pas le moment de mourir. Allez, on est. Puis encore quelques coucou et ensuite ça sera bon. Hop. Tire, 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 tire. Oh, c'est bon, battu. My, my. It would appear that I have made an error.
You were nearly successful in terminating my life support subroutine functions. But do not be disappointed. It appears it will take longer than anticipated for Eden to reach its optimal altitude. If you can terminate me before then, you will be able to stop it. Assuming you are capable of deactivating me. What? Non, s'il te plaît, non, mais en plus, je viens la battre, là, mais s'il te plaît, dis-moi pas qu'il y a pas de... Dis-moi pas que juste là, que si je meurs, quoi, je dois toujours taper avec elle. Hein, non. Si. Oh, pitié. Au secours. Non, je veux pas me battre, laisse-moi, fous-moi la paix. Eh, hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je vais crever à force. Non. Oh non. Putain, ça va être trop long. Et putain, si j'avais des safe states là, ça aurait été galère. Dans votre gueule, les pauvres. Mais sérieusement, tu te fous de ma gueule, quoi? Tu te fous de ma putain de gueule? Non, pas en trop. Non, mais sûrement, mec, déjà de 1, comment tu fais pour se battre là? Mais aussi, comment tu fais pour le battre aussi celui-là? Certes, je crois bien qu'il a l'air plus simple que l'autre là, mais quand même, il y a une limite là. Oh bon dieu. Oh non, fais chier quoi. Putain de merde. Bah non, je reviens totalement ici et... Normalement là, tu dois rebattre elle. Bon, on va voir combien il fait de dégâts lui. Ok. Analysons d'abord le pattern. Ça, ok, on voit ça. Ensuite, il te fait ça. Il saute. Ah, ok, donc là, il y a quand même deux fois plus de vie. Donc là, c'est là où je pourrais utiliser la grosse arme. Non, mais putain, mais. Ah! Ah non mais non, c'est vraiment chaud par contre là, c'est carrément, t'as pas à fond la vie. Mais sauf par contre là que... Mais sauf vu que la barre de vie est très longue, mais... Attends, j'aurais savoir un truc. Vu que maintenant là en fait, c'est que j'ai fait tout en fait avec le tir vert. D'ailleurs, je vous ai même montré ça. Mais du coup, c'est que si par contre là, tu utilises maintenant un gros sort, est-ce que là les dégâts sont ceci beaucoup plus double là, vu que là c'est certes un gros squelette, mais il y a plus de trucs. Ouf, non mais correctement, quand t'es arrivé à là, c'est tu peux être victorieux, mais ça veut pas dire au cas où là que... Tu es encore cuit. Mais bon, par pitié, juste un truc. Si tu bats ce deuxième boss là, t'as au moins le droit d'y sauvegarder. Parce que là, moi je dis, j'ai du mal à avoir cours les jours à tout retaper ça. Hein. Bon, première fois que je réussis à prendre avec full vie. Allez, hop, oh, par contre là. Allez, vas-y, on peut te crever, pas crever. Alors, ce boss là, c'est plus dur que l'autre là, mais pourtant. C'est que quand il doit faire au cours le truc de boule de feu. Hop. Doucement.
Bon, au moins j'ai réussi à le battre. Bon, bah, mais c'est sa vie, par contre. Oh, c'est encore plus choquant d'habitude, mais clairement, déjà que le feu est... Et ouais, ça a vraiment intérêt à être le boss final, parce que pour moi, je vois que ça comme solution, hein. Que ça comme solution, je vois pas mille autres trucs. En plus, ça fait bientôt faire 2 heures que je tourne. Combien ? Oh putain ! Non, t'es pas ça. Non, quoi, t'es sérieux ? Première phase, tout seul, de toute façon, encore. Oh, pitié, non. Non. Bon, je reviens que je vais plutôt me... aller me reposer, me décontracter, et je reviens dans quelques heures. Bon, je suis revenu après une bonne bouffe au McDo. Non, mais ok, donc par contre, il y a un truc que je crois bien que c'est comment faire, par contre, pour battre, en fait, pour la première étape. Il faut juste que tu tires beaucoup par endroit avec ton petit canon qui est là, celui-ci, pour faire un peu le tour. Par contre, attention. Donc là, on a sa première étape. Mais la seconde étape, qui est donc sa moitié de boire de vie, ça, il fait ce gros truc là où c'est carrément, c'est, il fait trembler le sol avant d'envoyer tout ça. Et là, tu pourras bourriner. Ça, j'avoue que pourtant, la première phase, c'est pourtant la plus compliquée. Mais quand tu vois la seconde, tu lui dis qu'elle est beaucoup moins. Mais par contre, pour arriver à la seconde étape, en gros, c'est carrément, il fait un truc où c'est entre soit balayer, foncer vers toi. Mais quand il fait le son, on fait 1, 2. Enfin, il fait d'abord un et ensuite un deuxième. Mais quand il fait son troisième, c'est revers sa position initiale. Et mais là, après, le truc coucou, il fait le gros boule de feu. C'est là où il y a quelque chose aussi. Et putain, la vache, la deuxième étape en gros, c'est carrément, il part dans une sorte de gros explosion nucléaire. Et je me demande combien de jours ils sont arrivés jusqu'à là. Ouais, c'est pas faux. Bon, allez, on essaye. Hein. Non, moi, je dis, je suis sûr qu'on peut le battre. Mais par contre, là, pour essayer de le toucher, là, c'est bonne chance. Tu le touches qu'une fois sur deux. C'est parti. Très bien, donc là déjà, plutôt crevé hein. Allez vas-y, tue-moi. Non, plutôt refaire, parce que carrément j'étais mal parti, et puis en plus, j'ai carrément perdu les contrôles encore. Non, on recommence tout. Et moi j'ai carrément, si j'avais pas la barre de vie full jusqu'au deuxième truc, mais là carrément, là c'est game over direct hein. Plutôt recommencer. Putain, tu déconnes! Hop. Aïe, par contre, putain, j'ai mal à mon pouce là! Allez, je suis sûr qu'il y a moyen. Clic-clic, attends. Clic-clic. C'était juste pour faire le recording. Bon, putain, j'ai vraiment mal au pouce là, à force vraiment de maintenir la croix. Non, j'étais un saut d'avis. Ah. Oh mon dieu. Ah mais non, mais ce boss, il est vraiment tordu hein. Bon, là j'ai carrément fait mieux, mais parle vraiment. Alors en soi, l'arme est vraiment pratique, il fait pas mal de dégâts, mais par contre la vache, mais qu'est-ce qu'il est lent. Il est lent. Je crois que je vais plutôt reprendre mon arme là qui est plutôt à tête chasseuse parce que vraiment, celle-là, certes, elle fait des petits gars, mais au moins elle n'aura pas sa cible. Attends, je vais retenter. Mais bon, au moins, je me suis bien mis les oreilles dessus. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
C'est bon, là, je vais t'avoir. Toi, tu seras bientôt mort. Enfin, si je suis encore... Enfin, tu es mort. J'ai mal partout maintenant. Ouch. It appears I was in error assuming that a bureaucratic model such as myself would be able to best you in hand-to-hand combat. However, I was successful in keeping you occupied long enough for Eden to achieve optimal altitude before you could interfere. This is Mega Man Juno, bureaucratic model third class, authorization number 8677, requesting a reinitialization of this island's systems and a memory backup of its bureaucratic systems. Stop! Stop it! If you wish to shoot me, please do not hesitate. My program has already been backed up in Eden's central core. I eagerly await my next activation. Eden systems ready, awaiting confirmation. Requested backup of bureaucratic model Mega Man Juno complete. Execution of catalog's reinitialization program will commence in 100 seconds. What should I do? Interrupt command. Priority command rerouted to purifier first class Mega Man trigger. Under suspicion of malfunction, bureaucratic model 3rd class Juno has been deactivated by Mega Man Trigger as per Ordinance 103. Mega Man Trigger hereby requests the indefinite postponement of the previous reinitialization order and the deletion of bureaucratic model Juno's backup data. Trigger hereby assumes all bureaucratic authority for the district and will petition Mother for guidance at a future date. Command reroute acknowledged. Priority given to purifier first class's command. Eden resuming standby mode and returning to pre-designated coordinates. Deleting log of purifier first class's correspondence as required by security ordinances. Requesting that notification to Mother be carried out by purifier first class, pressing bureaucratic authority trigger. Data? There's nothing to worry about anymore, Mega Man. Everything should return to normal shortly. Do you know who I am? I'm your peripheral memory storage device. You originally created me so your memory couldn't be scanned by Mother 2. I can't tell you anything yet. But soon, I'll be able to tell you everything! What you are, why you lost your memory, your original function, and mission! Mega Man! Mega Man! Blasted contraption! It's always breaking down at the worst time! Mega Man, are you all right? Yep, I'm just fine. Gramps and I were working on the radio forever, but couldn't get it to work. Mega Man, you won't believe what we saw.
I'm glad these old eyes of mine lasted long enough to see it. Calm down, Gramps. He's been like this ever since... Huh? Mega Man? Are you all right? Oh, it's nothing, really. I'm sorry that I scared you. You're always running off like that, making me worry myself sick over you. But somehow, I know you'll always make it back. I have faith in you. Thanks. See you soon. Data, let's go! Ready? Mega Man? Ready. We're ready to go anytime you are. Thanks, Roll. Tell me, do you really have to go so soon? After all you've done for us, please stay a while longer. We haven't had the chance to thank you properly. Well, it's not that we don't want to stay. It's just that we've got some unfinished business that we've got to take care of. Right? Yep. That's right. Besides, now that we've got a refractor for the Flutter, it's time for us to go. If you must go, won't you at least come to town and say goodbye to everyone? I suppose we should at least say goodbye, eh? Hey, Mega Man, why don't you go? Give him our best! It would mean so much to everyone. Go on, Mega Man. And say goodbye to the Junkman's wife for me. Okay, I'm going. Putain, vite, sauvegarde, sauvegarde! J'ai pas envie de me retaper! J'ai le droit de vivre un peu! Ok, alors déjà, j'avoue que concernant la cinématique. Come on, getting it back, mais. Puis-je sauvegarder quelque part, s'il vous plaît? J'ai pas envie de me rattraper. Putain, y'a pas un petit stage quelque part? Non, pitié, s'il vous plaît, j'ai bien envie de sauvegarder. Bon, ok, j'ai toujours mon coup de pied. Bon, je vais quand même essayer de trouver une sauvegarde là, quand même, si je peux pas, mais... Par pitié, j'aimerais une sauvegarde. J'ai pas envie de me retaper tout depuis le début ici. Non. Bon, ok, je trouve pas de point de sauvegarde. Par contre, ce petit message m'a donné un secret qui, en fait, a carrément dans ce jeu un New Game Plus. Alors, là, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Bon, du coup, c'est quoi, alors, le truc? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'avoue, j'ai aucune idée. Attends. Mais on voit. Ouais, il y aura un 20 goodbye. I guess it's the time. Ouais, bon, ok. Ici, là, c'est carrément pour partir, mais attends. Je vais quand même déjà quand même vérifier quelque chose. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ça? Genre, est-ce que je peux au moins, genre, visiter les trucs ou littéralement les paroles? Non. Bon, très bien. Et à madame. Car c'est bien sûr la mère. La mère de la ville. Bon, très bien, pas d'autre choix. Bon, allez, si carrément c'est l'épisode final, ben, allez, on s'arrête là. C'est parti mon kiki. Allez, on se dit goodbye et au revoir. Ciao. Thank you so much for your help. Take care of yourselves. Bye, take care. Goodbye. See you later, Amelia. After all that, we still didn't find out anything about your mom and dad. Or the Mother Lode. Well, it can't be helped. It's not like we meant to come here in the first place, right?
But everything worked out in the end, right? Yeah. Hey, Mega Man, did something happen while you were underground? Huh? Yeah, well, not really. Don't worry about it. Well, I don't know, but... don't ever forget that I'll always believe in you, okay? Roll! Mega Man! Roll! Look outside! The island! Mega Man! Okay. What is it? Whoa! Roll, left! Left! Huh? Okay. Hey! Isn't that... Bye. They all came to see us off! I hope those of you at home are watching. Our brave heroes are taking off, heading for new adventures. As you can see, the people of Cadillox have come out to send them off and wish them well. Hey, everybody! They were all really nice people. Maybe we'll come back here and see them again. Yeah. Okay, setting new course. Here we go! Moi, ce que je dois dire, c'est « Hey, brother, nous avons enfin fini ce jeu. Hey, sister, j'aurais quand même des choses à dire dessus. Oh, il y a quand même des points à ajouter dessus. Mais je sais pas quoi dire dessus. » C'est de la merde. Quoi ? Sire ? Bon, bah, là, je peux pas assumer. Non, mais vraiment, là, on a enfin fini ce jeu, c'est mort. Alors, clairement... Alors j'avoue carrément, je m'attendais pas du tout à ça. Et en putain, t'es sérieux, le boss final mais ultra dur du cul hein. Parce que quand même, genre, si t'as pas quand même genre les bons équipements qu'il faut, et surtout par exemple la grosse arme qu'il faut, là littéralement, y'a aucune idée. Mais carrément là, c'est tu es niette là, tu finis écrasé comme un insecte hein. Bon bah alors, bah vu qu'on est carrément sur la fin du jeu, qu'est-ce que je peux donner comme bilan? Bah franchement, c'est un excellent Mega Man en 3D. Enfin, je sais pas si c'est le premier, mais par contre là, c'est vraiment une prouesse en soi. Mais il y a quand même, je donnerais quand même des quelques petits défauts. C'est ce côté quoi, où tu vas quand même sauvegarder manuellement. Sauvegarder manuellement, mais aussi par contre là, où il y a quand même ce côté où là, où parfois il y a... Il y a des boss quand même là, où tu peux genre... Enfin, il y a des boss là qui quand même sont durs, quand même. Genre, si t'as pas le bon truc là, tu te fais ratatiner dessus. Mais aussi par contre qui est ultra con, mais genre qui est ultra con, c'est que si tu finis le jeu, mais que par contre tu meurs par contre dans le hub sans faire exprès, en gros là carrément c'est, tu dois tout te retaper. Non mais imagine la blague, genre c'est, tu fais ton trajet normal, genre c'est pas dans un niveau, hop, mais par contre tu peux mourir par là dans le hub du jeu. Oh shit. Mais si je peux dire un truc dessus, ben, non franchement c'est un excellent jeu Megaman. Alors pourtant c'est que... Il y a un peu des remarques, je vais dire quoi quand même, pas à part ses défauts, mais je vous jure vraiment, mais le boss final, j'étais sûr carrément ça allait être ça, mais putain, mais il sera dur du cul encore hein, vraiment. Faut tout miser par contre sur l'attaque, mais surtout sur la rapidité, bien, pour bien cogner dedans. Mais après, pour finir littéralement, bah non, franchement, c'est un excellent Megaman. Je vois, mais il est bien complet. Par contre, c'est limite un peu, ça me rappelle un peu Jace contre Todor Reds, pour ce côté où c'est vraiment aussi pourtant. C'est un monde ouvert qui est bien grand, bien immense, mais surtout il y a ce côté où c'est complet, et où tu peux quand même te balader, t'amuser, enfin.
ce côté un peu de, du post-game. Mais par contre, ce que j'ai par contre avec le Sage Data, c'est qu'il y a donc un New Game Plus. Et moi j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que c'est en gros ce New Game Plus. Bon par contre laisse-moi voir. Attends, je suis à combien d'heures d'enregistrement? Parce que en comptant les 3 heures que j'ai fait sur la première, là ça va faire bien, là c'était déjà vers les 53. Mais si tu comptes par entre là avec ma pause que j'ai fait entre deux qui est de 45 minutes, donc on arrivera sur un total de à peu près, je dirais carrément vers les 4h30. Combien? Oui, littéralement 4h30 de tournage pour cet épisode final. Non mais clairement ce boss là, mais on m'a presque rendu fou à la limite. Mais bon, fantasmement j'ai quand même gardé des, enfin gardé des neurones en titane. Mais si clairement je peux dire un truc carrément, c'est que pour un jeu PS1, franchement, bon, certes niveau graphique quoi, et c'est un peu moins, enfin, mais qui est assez potable au moins. C'est au moins ok, clean, propre. Mais après c'est clair que quand tu le vois un peu aujourd'hui, c'est un peu ouf. T'es plus de la gueule, pas si près. Bah. Ouh, ça fait mal. Ça fait bobo. Mais bon, littéralement de majeur, pour moi, ce méga, je mettrais quand même un petit entre, je sais pas, je vais bien lui mettre un 15,5, mais plus pour en dire un petit 16. Parce que je trouve quand même quoi que c'est vraiment genre un Megaman genre 3D. Parfait, nickel. Mais après c'est clairement, je peux lui mettre carrément des défauts, c'est que genre, il n'y a pas de traduction, ni même une VF dessus. C'est quoi ce bordel? À quoi ça sert de sortir un jeu en francophonie si carrément il n'y a pas au moins une traduction dessus? C'est honteux! Bon, ben après moi j'ai envie de dire un truc carrément quoi, c'est. On a réussi et carrément. Ben j'avoue que c'est une sacrée découverte littéralement. Mais bon. Je sais pas carrément là si c'est vraiment c'est mon jeu PS1 préféré ou si carrément. Carrément, genre, je saurais à peu près mon truc, mais si j'avais fait ce jeu-là durant mon enfance, peut-être que j'aurais apprécié. Mais il y a quand même des points là où, par contre, je sais pas pourquoi, mais dans les JRPG, il y a toujours ce côté-là où c'est, il y a un boss, tu fasses la première phase, mais en fait, il y a une deuxième phase là, mais que par contre, t'es toujours aussi vite. Donc, du coup, littéralement, c'est presque un peu là, c'est pas une sorte de die-hard, mais littéralement là où t'es obligé, par contre, là, de carrément tout viser sur quelque chose là pour essayer de le battre et le poutrer. Moi, je vois pas ta solution. Mais clairement, de manière générale, moi je veux dire un truc là, c'est que il est excellentissime. Après, concernant donc les prochains jeux PS1, j'ai déjà une idée en tête, mais ça sera à voir. Mais je veux pas le cacher, concernant Megane Musashi, que je vais faire en LP, c'est carrément c'est dans cette même matière là, mais carrément là je vais encore devenir fou, mais carrément, des jeux JRPG comme ça, où en fait là, c'est ils te mettent par contre là des boss carrément qui te ratatinent la gueule là, c'est carrément me rendre fou, Narvalo. Y a-t-il une suite? Donc regarde. Allô? Allô, s'il vous plaît. Well, there they go. Not a care in the world. Hey, Tron! Can't this thing go any faster? No, it can't. I had to gather up all the spare parts from everything he blew up to build this. That's right, that's right. We'll just have to rough it until we get to the next island. If we sell what we found, we'll get back what we lost and then some. We'll live like kings. Who would have thought there was such a huge refractor down there? And all we had to do was just wander in and pick it up. I told you we'd have the last laugh. That's assuming we make it to the next island without sinking. Oh well, at least he's in a good mood. Ok, d'accord. Ah oui, c'est. Bah, en même temps, c'est clair que, genre, il y a eu un Megaman Legend 2 qui est sorti.
possédé par Capcom, dans le jeu UR34. Bon, après si tu comptes un peu avec certains temps carrément où j'ai dû renégocier, donc oui ok, thank you for playing. Ouais, donc j'ai fini carrément en 11h34. Donc ouais, donc c'est carrément un petit 12h littéralement si tu fais en ligne droite. Mais si tu rajoutes avec les quêtes annexes et tout ça, donc t'arrives sur un total de quoi? 20 heures de jeu. Allez. Start. Bon, j'appuie sur start, du coup ça ramène où? Ça ramène au menu. D'accord, ok, bon. Par contre, le truc c'est que si en gros je reviens, j'ai dit je reviens, press, new game, normal, hard, ok. Good luck. Mais moi j'aimerais bien revenir dessus. Mais là, le truc en gros c'est que si je reviens donc en fait à là où j'étais, est-ce que 11-20. Attends une minute. Est-ce que je repose vers où c'est, vers le boss final? Ou carrément ça me téléporte en fait là un peu la main aux questions. On va regarder. Ok, ça me pop totalement là. Attends. 11-20. Ah oui, c'est clair qu'il y a eu un moment là où j'ai dû changer d'arme. Mais bon, on crée donc. Ouais, grosso modo, littéralement, c'est que si tu es ici, en gros, c'est carrément. Il te ramène en fait ici. Et. Bon, j'avoue que j'ai pas envie de le raffronter parce qu'il m'a déjà fait assez de mal comme ça. Puis en plus, ça fait déjà presque. Putain, presque déjà 4h35 ou 34 là que je tourne et j'ai un peu mal au doigt. Je crois bien qu'on va plutôt se poser dessus. Puis en plus, là, il y a autre chose à foutre. Attends, est-ce qu'il est vraiment sûr? On regarde, non? Ouais, carrément, tu raffrontes le boss, ok. Non, j'aimerais arrêter. Non, pas d'autre choix, ok. Mais bon, en tout cas, pour le battre, c'est il faut prendre le Buster. Ensuite, vous mettez Machine Gun, Buster Unity Air et Power Stream pour avoir des attaques à fond. Voilà, et ensuite, après, normalement, vous faites carrément tout le travail là. Mais bon, après, bien sûr, il y a le Rapide, le Attaque Énergie. Mais ça, au cas où, je vous avoue, au moment de manière générale, il faut carrément plus miser sur l'attaque, mais aussi sur l'unité, et voilà. Et ensuite, pour finir. On a concernant le spécial One Pot, littéralement. Je vous recommande de prendre. Il est où? Voilà, cette arme-là, car carrément, entre le fait qu'elle a la tête chercheuse, tout ça, et. Ouais, littéralement, voilà. Et je crois bien qu'on a tout. Non, j'aimerais quitter, s'il vous plaît, j'aimerais juste sortir. Bon, je crois bien qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, si vous voulez un peu les dégâts que ça fait. Ah, mais bon. Essayons de vous montrer un peu les dégâts carrément que ça fait. Attends, on va attendre qu'il fait un rally. Vous voyez, ça descend bien toute sa vie. Et donc littéralement là, ça poutre bien. Ça poutre bien sec. Aouh. Vous comprenez maintenant? Mais bon, j'aimerais bien m'arrêter là. Bon, allez, tue-moi, hop, voilà. Comme ça, on va plutôt revenir. Attendez, je crois bien qu'on va revenir en fait là, dans le monde terrestre, et on va plutôt s'arrêter là. Donc, ok, donc littéralement, en fait, c'est un peu comme. Limite aussi les Ratchet & Clank, en fait. C'est qu'en fait, le dernier point de sauvegarde là, c'est juste, ça te ramène juste à la zone avant le boss, Dororo. Donc, si tu as des trucs là, tu pourras totalement. Voilà. Alors, attends. Donc, littéralement, c'est ça. 1h20. Ok, clairement, en fait, j'ai carrément battu le boss dans. Attends. Normalement, je sais pas un truc où c'était 11 et là maintenant ça met 11-20. Bizarre. Bon. Attends, on va. Remontons à la surface. Ah, c'est bon, on est extérieur, ça fait du bien. Bon, très bien, c'est là où sont un peu donc nos amis. Bon, allez, je remets sur le van et on va s'arrêter là donc pour cet épisode final sur Mega Man Legends. Et ben, du coup, quand même, je vais faire un petit extra 1. Pour bien voir quand on parle les alentours qu'il y a, oui, donc on a les gates, cause gate, le carbon gate, portal 1, portal 2, portal 2, portal 3, là t'as sub-city 1, sub-city 2, sub-city 3, et main gate, ok, et ensuite là tout le reste entre les tout ce que tu veux, ok. Bah, du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode final. Et limite ce LP sur Mega Man Legends, like, comment, partage, abonne, dis quelque chose, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok.
Non, carrément, ce jeu aura fait un passage de 2022 à 2023. Par contre, la vache par trop là, il m'aura quand même mis une sacrée raclée. Non, par limite aussi le rush kit. Mais carrément, ce type de jeu JRPG aussi, tellement. C'est parfois, c'est on te donne des trucs, ben, tu dois faire des sauvegardes manuelles. Mais par exemple, le truc là où ils te mettent comme par exemple un boss. Mais genre un boss avec plusieurs faces. Mais par contre, où ta barre est toujours aussi vide et que t'as pas de quoi pour te charger, tellement. C'est littéralement où tu dois le faire en one shot. Et quelque chose unique pour moi, littéralement, c'est un truc carrément devenir fou. Car en trouver la stratégie, l'arme qu'il faut, et par exemple, à booster beaucoup sur les attaques là pour bien vider sa barre de vie. Moi, je dis, il n'y a pas trop de choses. Et moi, autre chose, c'est Chus Mega Man Legends avec Vault Hunt. Et on aura réussi avec le petit bonhomme bleu. Bon. Hey, ciao, je m'en vais. Bye bye. We'll be right back.